Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1582 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la soirée de Ligue des Champions hier et on commence tout d'abord avec l'équipe française, donc l'équipe du LOSC qui jouait contre l'équipe de Wolfsburg. Score final 0-0 dans un match avec plein de rebondissements. Les Lillois n'ont pas réussi à passer le mur allemand, donc j'ai pas regardé ce match hier, hein, c'est pour ça que je vais pouvoir en parler un petit peu, hein, de cette rencontre. J'ai vu le résumé et dans le résumé que j'ai vu une équipe de Lille dominer, hein, son sujet, dominer les Allemands de Wolfsburg. Ils auraient même dû gagner ce match, l'équipe de Lille. Donc score final 0-0. Donc bien sûr, hein, Lille peut avoir des regrets, hein, les regrets du Nord, hein, pour cette équipe du LOSC. Et sur l'application OneFootball, donc l'application numéro 1, voilà, sur le foot, hein, niveau transfert, vous pouvez retrouver tous les résultats des jeux, résultats des matchs, le programme de la journée. Il y a tout bien sûr, hein, sur cette appli. En première ligne de description, on peut voir les stats du match. Et pour vous dire, hein, que Lille a complètement dominé son sujet, plus de 17 tirs pour l'équipe de Lille, seulement 2 tirs pour l'équipe de Wolfsburg, 4 tirs cadrés pour les Lillois, 0 tir cadré pour Wolfsburg. Donc voilà, Lille, les gars, a quand même fait une belle partie hier. Il manquait juste la finition, voilà, ce but qui aurait permis bien sûr au LOSC de gagner cette rencontre. On peut voir que le joueur du match, hein, toujours sur l'application OneFootball, c'est le Jonathan David. On peut voir qu'il a obtenu pas mal de votes, hein, parce que sur cette appli OneFootball, on peut voter à chaque fois pour l'homme du match, hein, Jonathan David devant l'attaquant Weghorst, hein, l'attaquant de Wolfsburg. On revient sur Jonathan David, donc il a tout donné, il connaît et passé lui à côté de son match, hein. Donc concernant David, hein, il a obtenu une belle note de 7 aujourd'hui dans le journal équipe, hein. Ce qui lui a manqué seulement, c'est la finition, hein, bien sûr, puisque le score a été de 0-0. Et quelle performance Benjamin André, donc le défenseur lillois pour Lille contre Wolfsburg. Donc plus grand nombre de duels gagnés, 12, plus grand nombre de récupérations, 12 ballons récupérés, plus grand nombre de duels aériens remportés, 6, une belle performance défensive, hein, du français, voilà, contre l'équipe allemande hier. Et encore un match sans victoire pour une équipe française en Ligue des Champions. Donc hormis le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon, les autres clubs français ont pris seulement 8 points sur 90 possibles en Ligue des Champions depuis 2017. Donc ça, c'est vraiment une stat, les gars, pour vous montrer que le niveau des équipes françaises, hors bien sûr Paris Saint-Germain et Lyon, hein, voilà, qui arrivent souvent à faire des belles performances en Ligue des Champions, donc c'est souvent très décevant. Donc seulement 8 points pris, hein, sur 90 depuis la saison 2017 de Ligue des Champions. Il y avait aussi la Youth League hier entre Lille et Wolfsburg, et Lille cette fois-ci s'est imposé 2-0 contre les Allemands. Un doublé de José Bica, très bon début de Youth League, hein, pour les jeunes du LOSC avec cette belle victoire, 2-0. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe de Lille. Séville contre l'équipe de Salzbourg. Score final 1 partout. Salzbourg avait l'occasion de marquer 3 points, mais a loupé 2 pénaltys sur 3. Ce match a été complètement fou, les gars. Et historique, hein, pour la première fois de l'histoire de la Ligue des Champions, 4 pénaltys ont été sifflés dans une même rencontre. Et en une mi-temps, 2 manqués, 2 marqués. C'est incroyable, hein. Scénario fou en première période entre Séville et Salzbourg. Donc 13e minute, pénalty manqué par Salzbourg. 21e minute, pénalty transformé cette fois-ci par Salzbourg. 32e minute, pénalty une nouvelle fois manqué par l'équipe de Salzbourg. 41e minute, pénalty transformé par Séville grâce à Rakitic. Incroyable, hein, 4 pénaltys en l'espace de 40 minutes. Et toujours, hein, sur cette rencontre, on va parler de l'équipe autrichienne, hein, de Salzbourg. Et voilà les années de naissance des 11 titulaires de Salzbourg ce soir face à Séville. Donc on peut voir que le plus vieux, c'est un joueur de 1985. Bon, il est vieux, hein, mais sinon tous les autres, voilà, c'est quasiment que des joueurs très jeunes, hein, 2000, 2003, 2001, 2000, 2000, 2002, 1998. Donc une équipe très jeune, hein, cette équipe autrichienne. Et du coup, un petit coup d'œil au classement de ce groupe G. Donc vu qu'il y a eu 2 matchs nuls, donc toutes les équipes sont au même niveau. Donc le prochain match pour Lille, hein, ça sera un déplacement du côté de Salzbourg le 29 septembre prochain. Ensuite, on va parler du choc entre le FC Barcelone et l'équipe du Bayern Munich. C'était hier soir au Camp Nou. Donc je vous ai sorti un long débrief, hein, pour ceux qui veulent avoir un débrief complet du match. Donc belle victoire des Allemands, 3-0 contre le FC Barcelone. Un but de Müller et un doublé de Robert Lewandowski. Donc j'ai regardé le match, hein. Victoire nette et sans bavure, hein, bien sûr, des Allemands qui étaient largement supérieurs aux Espagnols. Donc le Bayern ne change pas. Et des raclés, hein, le Bayern Munich a marqué 11 buts lors de ses 2 derniers matchs contre Barcelone en Ligue des Champions. Et le Barça doit encore se rendre à l'Allianz Arena, voilà, lors du match retour. Donc c'est vrai que le Bayern avait écrasé l'année dernière l'équipe du Barça 8-2. Et cette fois-ci, ils en ont mis 3, 11 buts en seulement 2 matchs, hein, pour l'équipe du Bayern, hein, contre les Blaugrana. Et victoire assurée, donc ça c'est une stat avant le match, hein. Le Bayern a remporté ses 17 derniers matchs en ouverture de la Ligue des Champions. Sa dernière défaite remonte à l'année 2002, défaite 3-2 face à la Corogne. Donc on peut dire, hein, 18 victoires d'affilée lors des matchs d'ouverture en Ligue des Champions pour les Bavarois. Et eux, le FC Barcelone, donc c'est le sens inverse, hein, le Barça qui gagnait aussi souvent son premier match
de Ligue des Champions. Ben, cette fois-ci, c'est défaite. Le FC Barcelone a perdu son match d'ouverture en Ligue des Champions pour la première fois depuis 1997-1998. C'était une défaite 3-2 contre Newcastle, hein, bienvenue dans l'ère après Messi. Et toujours avec le Barça, donc à domicile en Ligue des Champions, c'est très compliqué. Ça devient compliqué hein, pour les Blaugrana. Le FC Barcelone a perdu 3 matchs consécutifs à domicile en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Donc 3-0 contre la Juventus, 4-1 contre le Paris Saint-Germain et 3-0 contre le Bayern Munich. À chaque fois, c'est quand même des sacrées raclées prises par le Barça au Camp Nou. Ensuite, une photo de Jordi Alba qui est sorti complètement KO à la fin du match hier. Donc il est sorti aux alentours de la 70e minute. Hein, il ne pouvait plus, il a demandé à Koeman de sortir. Donc le caméraman l'a filmé, on peut voir voilà, qu'il était complètement KO. Hein. Le joueur espagnol et Alba souffre d'une gêne aux ischio-jambiers. Des tests auront lieu pour déterminer la gravité de sa blessure. Ensuite, on va parler de l'autre latéral, donc le latéral droit. Là, il y a des sacrées lacunes du côté du Barça. Donc, c'est Sergi Roberto qui a commencé titulaire. Il note seulement 2-3 pour Sergi Roberto. Et Gérard Piqué vient au secours hein, de Roberto qui a été sifflé lors de sa sortie. Je voudrais rappeler aux gens que Sergi Roberto n'est pas un latéral. Il fait le sacrifice de jouer là-bas. Les gens sont libres d'exprimer leur opinion, mais personnellement, le voir se faire siffler fait très très mal. Donc par rapport à la prestation du défenseur espagnol. Ensuite, Memphis Depay, hein, lui aussi complètement dépité, complètement déçu hein, par rapport à la prestation de son équipe hier. On peut voir les journaux espagnols, donc la une du journal AS, hein, nouvelle douche, voilà, en une de ce journal. La une du journal Mundo Deportivo et la une du journal Marca, pauvre Barça, hein, par rapport à cette leçon de football, hein. Des Allemands hier envers les Espagnols. Et côté Bayern Munich, hein, donc tout va bien actuellement pour le Bayern. Hein, première réussie pour Julian Nagelsmann avec le Bayern Munich. Et quelle première, hein, bien sûr, vu que ça n'a pas été un grand Bayern hier, mais le Bayern voilà, a gagné le match 3-0. Ils auraient pu vraiment pousser un petit peu plus et aggraver bien plus le score. Et on va parler bien sûr de Robert Lewandowski, encore un gros match de l'attaquant polonais. Donc ça fait maintenant 18 matchs consécutifs où Robert Lewandowski marque un but pour le Bayern. 18 matchs d'affilée, il marque au moins un but. L'attaquant polonais, c'est incroyable. Donc 34 buts lors de ses 33 derniers matchs en Ligue des Champions. Ça c'est une stat aussi complètement folle. Hein. 75 buts en 97 matchs de Ligue des Champions et 47 buts en 37 matchs en 2021 pour Robert Lewandowski. Hein. Vous vous rendez compte les gars, 37 matchs en 2021, il a inscrit 47 buts. L'attaquant Robert Lewandowski, on lui a volé le ballon d'or en 2020. Il est bien déterminé à l'avoir en 2021. Ça devrait se jouer entre lui et certainement Léo Messi. Et historique, hein, Robert Lewandowski, 13 réalisations, devient le meilleur buteur de l'histoire face au club espagnol en Ligue des Champions devant Didier Drogba et Tchétchenko. Et une autre stat aussi complètement folle hein, sur l'attaquant Lewandowski, donc nombre de buts marqués toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2019-2020. Et Lewandowski est déjà à 112 buts. Et regardez la différence par rapport au deuxième qui est Kylian Mbappé, 76 buts. Donc en gros, il y a quasiment 40 buts d'écart entre le premier et le deuxième. Hein, c'est énorme parce qu'après, on peut voir que c'est très serré. Mbappé et Ronaldo, c'est au même niveau. Et voilà, les deux, avec Haaland, il y a seulement 3 buts d'écart. Voilà, Lewandowski a 40 buts quasiment d'avance hein, sur Mbappé et Cristiano Ronaldo pour vous montrer les stats complètement folles hein, de l'attaquant polonais. On va parler d'un autre joueur du Bayern. Il est infatigable, increvable. Bien sûr, c'est Thomas Müller, une nouvelle fois buteur contre le FC Barcelone. Et Thomas Müller adore affronter le FC Barcelone. Donc 6 matchs en Ligue des Champions, 7 buts et 2 passes décisives pour le joueur allemand. On va parler d'un autre Bavarois, lui aussi a fait une belle partie, c'est le jeune Jamal Musiala, a réussi autant de dribbles que le FC Barcelone 4 durant la première mi-temps, pour vous dire que le Barça touchait très peu de ballons et surtout n'avait pas du tout la maîtrise de la balle, hein, surtout en première période. Face au Barça, au Camp Nou, Manuel Neuer n'a pas eu un seul arrêt à faire hier soir. L'équipe du Barça, je crois qu'a fait seulement 5 tirs, aucune frappe cadrée. Donc un match très tranquille hein, pour le gardien allemand. On va parler du défenseur français Dayot Upamecano et match XXL de sa part face à l'attaque du FC Barcelone. Donc match très complet de la part de l'ancien joueur du RB Leipzig. Bon, après, il n'a pas eu énormément de choses à faire hein, vu que l'équipe du Barça a très peu attaqué hier. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe du Barça et du Bayern. C'était entre le Dynamo de Kiev et le Benfica. Score final 0-0. Un but refusé à la dernière seconde aux Ukrainiens prive les Ukrainiens des 3 points. Ensuite, on va parler de Chelsea. L'équipe championne d'Europe en titre contre le Zénith. Et Chelsea, premier match, première victoire. Bon, seulement 1-0. Mais voilà, les 3 points sont là. Et bien sûr, hein, c'est Lukaku qui inscrit l'unique but du match. Victoire importante des hommes de Thomas Tuchel. Et on peut voir que Stamford Bridge, donc le stade de Chelsea, on peut voir qu'il y a eu un feu d'artifice avant le coup d'envoi hein, pour récompenser, féliciter bien sûr hein, cette équipe de Chelsea
qui a remporté le titre de vainqueur de la Ligue des Champions il y a quelques semaines. Toujours sur la rencontre, donc on revient sur Lukaku, donc 4 buts en 4 matchs pour Lukaku cette saison avec Chelsea. Donc il a signé du côté des Blues il y a quelques semaines, et déjà 4 matchs et déjà 4 buts pour l'attaquant belge. Et premier but en Ligue des Champions pour Lukaku avec Chelsea. C'est qu'il a déjà marqué des buts en Ligue des Champions du côté de l'Inter, du côté de Manchester United, mais jamais du côté de Chelsea. Ça a été son premier but avec les Blues hier. Et avec son 38e but ce soir, Lukaku devient le meilleur buteur belge de l'histoire des compétitions européennes à égalité avec Luc Niels. Donc encore une belle stat pour Lukaku. Et Lukaku compte autant de buts inscrits en Ligue des Champions que Ronaldo R9, le Brésilien. 14 buts chacun, donc là c'est seulement les buts en Ligue des Champions. Et en tout, 38 buts en Coupe d'Europe pour Lukaku, bien sûr, c'est Ligue des Champions plus Europa League. Ensuite, toujours avec lui, donc unique buteur du match, Lukaku a été élu homme du match de ce Chelsea Zenit. Félicitations à lui. Toujours sur cette rencontre, on va parler de Jorginho qui a reçu son prix de meilleur joueur UEFA de la saison 2020-2021. Donc c'est avant le coup d'envoi, il a reçu ce magnifique trophée. Il a fait une belle prestation. Le joueur italien, il continue d'impressionner. Jorginho a touché le plus de ballons, 137 ballons. Il a touché hier contre le Zénith. Il a joué le plus de longs ballons réussis, 5, et a réalisé le plus d'interceptions, 3 face au Zénith, plus que tout autre joueur sur le terrain. Maestro, bien sûr, le joueur italien. On peut voir que N'Golo Kanté, lui qui était forfait, blessé, donc il n'a pas joué hier, mais il a bien reçu son trophée de meilleur milieu de la saison dernière. Félicitations aux Français. Thomas Tuchel lui a reçu son prix de meilleur entraîneur UEFA de la saison 2020-2021. Et on peut voir que Edouard Mendy lui a reçu le trophée du meilleur gardien de la saison dernière. Donc le meilleur attaquant, c'est pas un joueur de Chelsea, n'oubliez pas, c'est Haaland qui avait reçu cette récompense. Et pour revenir sur Edouard Mendy, il compte déjà 10 clean sheets en Ligue des Champions alors qu'il a fait ses premiers pas dans la compétition en octobre 2020. Il y a seulement 11 mois, il a déjà fait 10 matchs sans prendre de but en Ligue des Champions. Incroyable les stats du gardien sénégalais. Et hier, donc titulaire hier, donc Edouard Mendy a disputé son 50e match avec l'équipe des Blues. Ensuite, on va parler de l'autre match dans le groupe de Chelsea. C'est la Juventus qui se déplaçait en Suède du côté de Malmö. Et enfin, une victoire pour la Juventus en ce début de saison. Donc 3-0 pour la Juventus. Dybala, Morata et Alexandro buteur. Donc les hommes de Max Allegri explosent les Suédois. Et surtout, se rassurent parce qu'en championnat, on sait que c'est très compliqué pour la Juve. Donc Dybala a été élu joueur du match de ce Malmö Juventus. Et toujours avec Dybala, buteur hier. Donc les meilleurs buteurs de la Juventus en Ligue des Champions. Donc Del Piero, c'est toujours lui le record, 42 buts. Trezeguet, deuxième, 25. Inzaghi, troisième, 17. Et maintenant Dybala, 16. Il a un but seulement de Inzaghi. Il pourrait rapidement monter sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire en LDC, bien sûr, pour la Juventus. Les stats aussi de Morata, lui aussi buteur en Ligue des Champions. Donc 29 matchs disputés et déjà 14 buts pour l'attaquant espagnol. Des très belles stats pour l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. Et Max Allegri a fait une déclaration à la fin du match. Les garçons ont été bons, il fallait gagner. On a eu une bonne gestion du ballon, mais on doit l'améliorer. On a joué avec des milieux qui n'ont jamais joué ensemble. Il faut du temps. Rabiot a été extraordinaire. Lui-même ne connaît pas ses capacités, parce qu'il a fait une belle prestation, le milieu français. Ensuite, il y avait aussi Villarreal contre l'Atalanta Bergame. Score final 2-2 dans ce match. Un match nul entre Bergame et le sous-marin jaune après un match à rebondissement. Voilà, il y a eu pas mal de buts dans cette rencontre. Et l'autre match dans le même groupe, c'était les Suisses des Young Boys de Berne contre Manchester United. Et c'est les Suisses qui se sont imposés 2-1 contre les Red Devils. Pourtant, Manchester United menait 1-0. Mais voilà, les Suisses ont fait le taf en deuxième période. Donc les Suisses créent l'exploit et bat Manchester United réduit à 10 après l'expulsion de Wan-Bissaka. Donc il a pris un carton rouge direct, ce qui a pénalisé complètement cette équipe de Manchester United. Donc tout d'abord à la fougue des Young Boys de Berne, bien sûr, qui ont réussi l'exploit de revenir au score et surtout de remporter le match contre le grand Manchester United. Donc pas mal, les clubs suisses ont remporté 3 de leurs 6 derniers matchs disputés face au club anglais en Ligue des Champions. Donc 3 victoires, 3 défaites pour les clubs suisses contre les clubs anglais en LDC. Donc un bilan plutôt vraiment convaincant, bien sûr, pour les équipes suisses. On peut voir la joie des joueurs suisses à la fin de la rencontre, bien sûr, après cette première victoire en Ligue des Champions. Le tifo des supporters des Young Boys de Berne en tout début de match. Et côté Manchester United, donc une défaite amère, bien sûr, pour l'entraîneur.
Et avec Ole Gunnar Solskjaer aux commandes, Manchester United a perdu 7 de ses 11 matchs en Ligue des Champions. Donc c'est pas ouf, hein, quand même. 11 matchs de Ligue des Champions avec le coach norvégien et quand même 7 défaites, hein, pour l'équipe de Manchester United. Toujours avec les Red Devils, donc ils ont créé 0,00xG contre les Young Boys de Berne après le carton rouge d'Aaron Wan-Bissaka à la 35e minute. Donc c'est quoi le XG? Donc en gros, c'est les actions qui amènent un but. Donc en gros, il ne s'est plus rien passé après le carton rouge, hein, de Manchester United. Même pas une offensive, hein. C'est que l'équipe de Manchester United a fait que de défendre. Ils ont pris un but à la dernière seconde de jeu. Donc voilà, dès qu'ils ont pris le carton rouge avec un joueur en moins, donc on n'a plus du tout vu, hein, l'équipe de Manchester. Ensuite, on va parler de Cristiano Ronaldo. Et c'était le retour de CR7 dans sa compétition favorite, la Ligue des Champions. Et CR7 a été décisif. Il inscrit le premier but de la rencontre. Et la dernière fois que CR7 a rencontré les Suisses, son équipe s'était inclinée 2-1. C'est avec l'équipe de la Juventus. Guillaume Waro avait inscrit un doublé ce soir-là. La même chose. L'équipe de Cristiano Ronaldo s'inclinait une nouvelle fois 2-1 contre les Young Boys de Berne. Et Ronaldo, je vous ai dit, un décisif, donc nouveau but pour lui en Ligue des Champions. Donc il vient d'inscrire son 135e but en Ligue des Champions, bien sûr. C'est lui le meilleur buteur de l'histoire de cette compétition. Et Ronaldo vient de marquer pour la 17e saison consécutive en Ligue des Champions. Incroyable, bien sûr, la longévité de CR7. Et toujours avec lui, donc 3 buts pour ses 105 premières minutes pour CR7 depuis son retour. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, il avait joué contre Newcastle, un doublé. Et là, un but aussi pour Cristiano Ronaldo, déjà 3 buts, hein, depuis son retour en Angleterre. Toujours avec lui, donc les premiers buteurs de chaque édition en Ligue des Champions. Donc cette saison, bah, c'est Cristiano Ronaldo qui a inscrit le premier but pour cette saison 2021-2022 de LDC. Donc la saison dernière, par exemple, c'était Morata. Et en 2015-2016, par exemple, c'était Angel Di Maria. Ensuite, toujours avec Cristiano Ronaldo, donc il a marqué face à 36 clubs différents au cours de sa carrière. Meilleur total pour un joueur dans la compétition à égalité avec Léo Messi, hein, bien sûr son plus grand rival. Toujours avec Cristiano Ronaldo, il devient à égalité avec Casillas, le joueur ayant disputé le plus de matchs de Ligue des Champions. Donc les deux sont à 177 matchs disputés en Ligue des Champions, Ronaldo et Casillas, hein, les deux ex aequo, le 3e Xavi, 4e Messi et 5e Raúl. Ensuite, toujours avec l'attaquant portugais, donc il est sorti en fin de match parce que Ole Gunnar Solskjaer donc a fait sortir son seul attaquant, vu que l'équipe de Manchester, hein, joue avec un joueur en moins, pour faire entrer Matic, donc un joueur plus à vocation défensive, hein, pour essayer de tenir ce 1 partout, parce qu'il y avait toujours 1 partout, bien sûr, quand CR7 est sorti, on peut voir qu'il est en mode coach Cristiano Ronaldo. Et pour finir avec la star portugaise, donc CR7 a envoyé un stadier au sol sur une frappe à l'échauffement. Donc l'homme, donc c'était plutôt une femme, Sonny risque de s'en rappeler un moment. Donc c'était avant le coup d'envoi. Donc bien sûr Cristiano Ronaldo, hein, s'est chauffé avec ses coéquipiers. Donc il tentait quelques coups francs. Il envoyait sa frappe en pleine tête d'une steward derrière les buts. Donc la femme complètement assommée. On peut voir que Cristiano Ronaldo est parti directement la voir, hein, pour voir comment elle allait. Donc bien sûr, après elle s'est relevée, ça allait mieux pour elle. On peut voir que Cristiano Ronaldo va lui offrir son maillot à la fin de la rencontre. Ensuite, du coup, on peut voir tous les résultats de la soirée d'hier en Ligue des Champions. Donc les 8 premières rencontres. Donc le programme de la journée, bien sûr, il reste les 8 dernières affiches. Donc deux affiches à 18h45, le Beşiktaş contre Dortmund et l'équipe de Sheriff contre l'équipe du Shakhtar. Et ce soir, gros programme avec des belles affiches. Par exemple, l'Atlético contre l'équipe de Porto, l'Inter Milan contre le Real Madrid, Liverpool contre Milan ou même Manchester City contre Leipzig et bien sûr le Paris Saint-Germain du côté de Bruges. Ce soir, grosse soirée de football. Et la une du journal L'Équipe aujourd'hui, Paris première. Pour la première fois, Neymar, Messi et Mbappé devraient être alignés ensemble à l'occasion de l'entrée en lice du Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Une perspective qui fait saliver. Enfin, on va pouvoir voir le trio Messi, Mbappé, Neymar ensemble. Là, sur une pelouse, hein. C'est que pour l'instant, jamais ils ont joué ensemble, hein, ces trois-là. Et normalement, j'ai bien dit normalement, ce soir, ils seront titulaires, les trois stars du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça s'annonce très très chaud, hein, ce soir du côté de Bruges. Donc le 11 probable du Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, rien d'officiel. La compo, hein, sera donnée une heure avant le coup d'envoi, mais il y a de grandes chances que le 11 devrait ressembler à celui-là. Donc Keylor Navas devrait commencer en tant que titulaire, donc Donnarumma sur le banc. Donc Hakimi, défenseur droit, Marquinhos, Kimpembe dans l'axe, Abdou Diallo, défenseur gauche. Donc Danilo ou Paredes en milieu de terrain, en numéro 6 avec Wijnaldum et Herrera. Donc Verratti est forfait, hein, pour le match de ce soir. Et bien sûr devant Neymar, Mbappé et Messi. Une déclaration de Pochettino en conférence de presse hier, hein, sur Léo Messi. Je l'ai aussi longtemps admiré en tant qu'adversaire, donc le voir maintenant s'entraîner avec nous
est vraiment sympa. Nous espérons qu'ensemble, nous pourrons atteindre les objectifs fixés par le club. Bien sûr, l'objectif est de remporter la Ligue des Champions. Ensuite, donc on parle beaucoup de Léo Messi, mais ce soir il y a aussi Neymar les gars, on attend énormément. Donc Neymar a été directement impliqué dans 67 buts en 69 matchs dans sa carrière en Ligue des Champions. C'est incroyable les stats de Neymar, donc 41 buts et 26 passes décisives en 69 matchs de LDC pour l'attaquant brésilien. Ensuite, il y a aussi des belles affiches ce soir, par exemple ce Inter Milan contre le Real Madrid. On peut voir la compo probable pour les madrilènes ce soir. Donc Courtois au but, Miguel Alaba, Militao, Carvajal en défense, Modric, Casemiro, Valverde en milieu de terrain, Vinicius Junior, Hazard, Karim Benzema. Normalement, tous ces joueurs devraient commencer titulaires contre l'Inter Milan ce soir. Ensuite, on va parler de l'Ajax Amsterdam qui se déplace du côté du Sporting. Donc hier, je vous avais dit que l'Ajax ne pouvait pas jouer avec son troisième maillot du côté du Portugal ce soir. Donc l'UEFA a demandé à l'Ajax de retirer les trois petits oiseaux présents sur son troisième maillot lorsque celui-ci sera porté en Ligue des Champions. La raison, ces derniers ne représentent ni le logo, ni le sponsor, ni le logo de l'équipementier. Donc derrière le maillot de l'Ajax, ce magnifique troisième maillot, donc il y a trois petits oiseaux, donc un rouge, un jaune, un vert. Et si l'Ajax veut jouer ce soir du côté du Portugal avec ce maillot, donc les trois petits oiseaux doivent être enlevés. Sinon, bien sûr, elle devra jouer avec un autre maillot. Et pour finir, les gars, ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le pronostic ce soir de la première du Paris Saint-Germain pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Mettez-moi un prono en commentaire. Donc hier, j'étais très proche, j'avais dit le Bayern 3-1 du côté du Barça, il y a eu 3-0. Et ce soir, je vois une grosse victoire du Paris Saint-Germain du côté de la Belgique. Je vais partir vraiment avec un gros score. Je vois une victoire 5-1 ce soir du PSG du côté de Bruges. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1582. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.